Eh bien on est reparti tout de suite, j'espère que vous allez bien, on va mettre ça comme ça du coup, tac, on saura donc le tac, juste ici, vous verrez cette petite vidéo, on va aller en 2-7. Il faut arriver à défendre cette base en 2-7 les gars, je jump, comme ça je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose, tac tac, il faut arriver à la défendre celle-là, hein. Défendre la base en 2-7, elle ne doit pas rester longtemps en plus, je pense que c'est faisable. Ouais, 26 secondes, c'est bon, on a la base. 23 secondes, bah oui, tranquille. Ouais, bah la deuxième aurait pu tenir, elle était pas loin de tenir aussi. Hein. Elle était pas loin. Hein. Elle était vraiment pas loin. Voilà. Et on a ici. Ah bah oui, Spinoza, c'est du truc. Bon, elle tient qu'une heure la base, putain, c'est fou. Ouais. Vas-y, si vous voulez, go poser une base en 3-7 maintenant. Bon, si vous êtes chaud. Bah non, celle-là, faut la désactiver. La désactiver, elle va mourir dans la foulée, ça sert à rien. Faut laisser le temps, tu vois, elle désactivera toute seule et si ça se trouve, les gens ils vont l'oublier et puis tu vois, ça passer. Ah, il y a un spectrum là. Bonsoir. Bonjour. Ah, Gold. Bonsoir. Hey. Enchanté. On va où du coup là? Bon, ça y est. Petite élix, 105 000 URSR. Putain, il a mis son petit... Vous pouvez être en 7. 3-7. Attends, ouais. Oh, lui, il va me suivre. Non, non, fallait pas que tu sortes ton fufu trop tôt, Red. Oh. Red, qu'est-ce que tu me fais, Red? Mais ils sont sérieux leur putain de mine de merde là. Dommage, quand tu voyais qu'ils me suivaient comme ça Red, t'aurais dû attendre de rester en fufu. Et comme ça t'aurais pu arriver à un endroit... Il y a eu ici aujourd'hui? Ouais. Ah oh, je suis mort par la mine putain. Ah ouais mais ils font que ça, ça cache les couilles sérieux putain. Mais ah oui mais... Du coup on va en 3-7 c'est ça? Oui. J'en vois pas mal qui dorment en 8. Ah, la bonne suicide. La bonne suicide. C'est toujours pas mal. On va voir. Je pense qu'on va essayer, maintenant qu'on a réussi à poser cette base en 2-7, faut aussi on arrive à la poser 3-7, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être deux bases simultanément. Alors attendez, je vais juste faire ça, tac. Hop, bon du coup là j'ai réparé tous les petits modules, on va pouvoir aller jumper en 3-7 pour essayer d'installer une base, ça va être bien. Je pense qu'on va tenter d'installer la base en 3-7 et 3-5. Histoire 2. Histoire 2. On va voir ça. Tac, puis je pense qu'en 3-7 il n'y a pas énormément de monde donc ça devrait le faire. Non, il y avait deux joueurs. Moi, j'en ai fait donc là, vu qu'on a déjà cette base... Hein, qui est juste là, tac, la 2-7, qui est en plus active, donc c'est parfait. Ouais, faut que je mette le truc au centre, c'est vrai. Hop. Si tu veux, pour le centre, j'ai un module de coque, déflecteur, je l'ai déjà posé tout à l'heure. Ouais, d'accord, bah, déflecteur, je peux en mettre un. Je viens d'en mettre un, je viens de le mettre. Bah, vas-y, mets-le, pardon. Ah, ça va plus vite là pour poser des bases, on va pouvoir enchaîner là. Moi j'ai un module de coque, tu veux que je le pose, okay. Vas-y, si tu veux. Vas-y, pose. Ah, il y a un Tartarus. Ouais. Faites gaffe à pas bouger. Ouais. Il y a un AEGIS maintenant. Ouais, mais terminez les modules tranquilles. Ouais. Il y en a un qui a bougé. On a l'impression que Hotman il veut pas jouer avec nous. C'est le gars, il est toujours à l'opposé de là où on est. C'est, tu vois. Oh, du coup, il y a une place en 4. Vas-y, je pose un module à ta place. non mais. En fait, le module est plus important que... Poser la base en 3, le joueur, t'inquiète, quand t'auras posé la base, des joueurs, tu en ramasses. Par contre, je sais pas qui c'est qui pose des mines. Y a une mine juste à côté. Je sais pas qui pose des mines en fait, parce que là, c'est pas un rouge, c'est un vert qui a posé les mines, donc ça risque d'être limite chiant un peu. Parce que c'est pas un vert, c'est un vert qui a posé la mine, quoi. C'est pas un rouge là. Je crois que c'est Hotman qui rage. Ah bah il va péter, il va finir dans la soute s'il fait ça quoi, donc ça va être rapide hein. Puis il va être viré et puis il va être pété en boucle hein, c'est tout, ça... prends pas la tête hein. Mais c'est quoi ce gros lâche là ? Et est-ce que ton truc laser là? Bah vas-y, go poser les bases en 3.5 en même temps, j'active celle-là et puis... Allez-y. Ah, il y a une base en 1.4 les gars. Ouais, de quoi, rouge? Ouais, je crois. Elle est désactivée ou pas? Non, c'est les Zita qui l'ont, on s'en fout. Ah non, c'est les Zita. On va pas les faire chier. Ils sont toujours avec nous. Du coup, on va où là? Ah, 3.5. Ah, juste en dessous. Ah non, c'est un vert qui ramène tout ça. Je savais que c'était un rouge. Il n'y a personne au portail ni rien. C'est triste. J'ai connu du monde, du temps où il y avait beaucoup plus de monde sur cet jeu. Hein. Les gens sont même pas présents pour défendre les bases. Intéressant, intéressant. Alors attends, je devais faire ça, je pense. Ça peut-être. Non, est-ce que j'ai tout fait? Oui, c'est bon, ok, parfait. Il y a un Turc. Parfait, parfait. Tac, 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 tac. Ouais, bah là, tranquille, hein, la base. Je pense que si on la pose aussi vite chacun. Ça devrait être rapide là. Depuis que je me suis déconnecté. Là, à mon avis. C'est super rapide. Ça bug plus trop pour moi. Ouais, je pense que dès que l'hélix sera passé, à mon avis, ça ira quoi. Vas-y, let's go. Go poser 2-3 petits modules. Poser un module de roquette, boum. Ah, vu le nombre qu'on est, un roquette truc chacun. Hein. Qui c'est qui a posé un roquette 2? Mais qui c'est qui troll comme ça? Non mais par laisse tomber de toute façon, après si jamais il y a une des bases qui tient, et après on fait plusieurs bases tiennent, bah, on va changer les modules au fur et à mesure. As you want. Attendez, on est plus que 5 là? Bah il y a l'autre groupe je crois aussi, l'autre man, attends. Ouais. Laissez-les ces petits rouges là, ils vont venir tout seuls à nous après. C'est pas grave. Lasers, les gars, il y a grave des roquettes hein. Là, il faut attendre un peu. Là, il faut attendre. Ouais, non, mais je sais pas, ça c'est. Oui. Oh, le sexe. Oh, il a mis. Oh là là. Oh là, lui, il va rien comprendre, lui. Ah, lui, il est content d'être venu. Tiens, c'est bien. Qui c'est qui pose des mines? Parce qu'il y a encore une mine à droite là. Je sais pas qui pose des mines, mais ça commence à être très chiant. Ça commence à être très très chiant. Pour farmer les Zita. Là, ici, il spawn sur les. Sur la base des Zita. Mhm. Pas de rouge là. Pas de rouge, pas de rouge. On vérifie, on va trouver qui pose des mines les gars. On va trouver. Si là il n'y a pas de rouge. Pose en 3-6 aussi ou... Si là il n'y a pas de rouge, attends. Si là il n'y a pas de rouge. Il n'y a aucun rouge toujours. Hein. Toujours aucun rouge. Ouais. 28 secondes pour le dernier module. Bon, c'est un peu con qu'il y ait un module, module 2 en fait. C'est dommage. Parce qu'avec un module 3 ça aurait peut-être mieux tenu. Tu vas dans les contacts, tu vois qu'il y a 14 personnes du clan connectées. C'est module 3. Toi, j'ai l'impression que tu regardes ces statistiques tout le temps, Rocket. Ouais. Non mais c'est juste que je suis curieux de savoir combien de personnes ont répondu au message. En fait. Excellente question. Et c'est bon, je vais activer la base, go en 3-6. Ta merde avec ton astromo de mes couilles. Putain. Vas-y, go 3-6. Sûrement la poser. Hein. Ah, j'ai vu quelqu'un. Allez, on va se crafter le reste. Voilà, il est pas parti. Parfait. Oh bah non, on la pose. Si on la pose 3-6 avec autant d'autorité, quoi. Ce serait beau. On arrive au milieu de la map. Oui. On va le faire. Normalement, là, si on arrive à avoir la base de 3-7, 3-5 et 3-6, plutôt un beau challenge. Un bon petit challenge. Parce que t'as pas grand monde qui peut le faire ça. Ah, QB au gauche, attendez, QB au gauche, il y a du monde. Au gauche, au gauche, au gauche. Au gauche, il y a du monde. Bah, on va y aller, tant pis. Hein. Ah, voilà, c'est normal. Ouais, je sais même plus qui c'est que je tape. Oh, c'est un spectrum, fait chier. Ça sert à rien le spectrum, c'est débile. Putain, Tartarus, il fume. Oh, tu t'embêtes pas quand il a le petit spectrum, tu peux reculer. Hein. Si le mec il est pas mid-life ou. T'es pas trop au 4 sur lui, ça sert à rien. Bon bah, base, pouf. Tac, nickel. Voilà. Ouais, ouais. Je suis étonné, c'est qu'il n'y a pas masse spectrum encore. Parce qu'avec depuis qu'il est possible de le craft depuis le début de la semaine là. Non bah lui par contre il est débile mais bon. Lui aussi. Il va pas revenir mais... On est quoi? T'as toujours ce petit laser 2 là en haut à droite. Toujours même position hein, le position 3. C'est la position du module level 2. C'est... Qu'il soit là, ce droit là, sinon c'est pas amusé. Mais ouais c'est ça. C'est le module 2 il est ici quoi. Ah ça c'est moi ça. Qui c'est? Il est con. Ok, moi je vais poser je pense celui-là là. C'est qui? Ah ouais c'est vrai en plus Ratman. Ouais, peut-être qu'il fait même moi je suis petit. Ah oui c'est vrai en plus tu peux voir le propriétaire du module, exact. Ouais. Dis-moi, il le fait exprès, il va poser le laser 3 chaque fois ici, quoi. Enfin le 2 ici. Ouais, je pense, ouais. Ouais, tu sais quoi. Il faut deux. Ouais, non, il manque plus qu'un truc à 4 là. T'as Samus, il est chaud du lock, quoi. Le mec, il a même pas le temps d'arriver, quoi. Doucement, doucement. Bon. Un petit booster de dégâts, tiens, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça aussi. Ah, la base en 3-7 est attaquée. Ah, il faut y aller. Go jump. Go jump, go jump. Go jump en 3-7. Je vais poser encore un module de laser, moi, et puis let's go quoi. S'il y en a qui de jump et 3-7, hein, si vous voulez la défendre. Hein. Moi je jump là, j'y vais. Je vais aussi. Ça se trouve c'est que du petit hein. Voilà il a fait boom lui. Il a posé sa mine mais il a fait boom. Ah non, il n'y a pas du petit, il y a... C'est du gros? Un gros Tartarus. Ouais il n'y en a qu'un. Voilà, en bas. Bon le juste, bon allez vas-y. S'il y en a qu'un ça va hein. Voilà. Lui il est resté sur place lui, je sais pas quoi, si ça lui. Par contre lui. Attends juste poser un autre module. Ouais il reste 30 secondes et puis j'active la base en 3-6. Non ça doit le faire. Tapez pas le jaune hein, parce qu'on en... On n'a pas de non-agression, on peut tout taper. Archer, il dort. Ouais, je pense qu'à mon avis, la base en 3-6, ils vont s'exciter dessus après. 3-7, il y a juste un module qui a pris cher. Mais... Ouais, tu peux en mettre un. Et c'est le module 2 qui pète, ça m'arrange. Oui, il a pété. C'est vrai? Nice. Ah j'avais pas prévu ça. Ah merde. Ah en fait on a Archer, lui il dort sur les bases tu sais. Ça y est. Ah bah tant pis. Kiff, hein. Ils vont se défouler sur toi du coup mon petit Archer. Il fallait pas AFK. T'as voulu AFK, je t'ai ramené le monde. Formidable. Il a tout pris. C'est triste. Le bon vieux Alt F4. Ah je sais pas ce qu'il nous a fait mais il a tout pris quoi. C'est... J'en avais 3 sur moi, il était AFK, ils sont vite mis sur lui. Ah parce qu'on a la base en 3-5 aussi d'activer, tiens je vais aller voir comment elle se porte. Ah oui c'est vrai ça. 3-7 elle est désactivée ou pas? Enfin elle est toujours bonne? Bah ça va. Il y a juste un module qui a pété mais bon, sinon après... Il n'y a pas de module de réparation en fait quoi tu penses. Ah si il y a du monde en 3-5, oh elle va péter. Oh merde. Ah elle a pété, c'était 4 c'est con. Non mais c'est pas grave mais... Oui, il nous reste encore deux bases à défendre. Bon dommage. C'est sexy qu'on pétait notre base quoi. Putain par contre ça a pas mis le message comme quoi la base était attaquée. Si. Ah, si. 3-5 ça a mise? Non ils ont pété le... directement au centre en fait. Allez, étonnant. Je vais jump en 3-7 du coup. Par contre la 3-6 quand elle va être activée mon pauvre. Celle-là. Il va y avoir du monde dessus. Je pense que... Ah, Hotman, tu t'es réveillé? Mon PC est éteint. Ah, c'est con. Une coupure de courant. Ah, mince. Viens par là, toi. Peut-être en fichu, j'ai pas ta voix. Toi, j'ai dit merde, viens pas. Waouh. Eux, ils me veulent tellement, quoi. C'est pareil, c'est... Ah, mais ouais, mais tu fais quoi? On veut pas, on veut pas. Putain, mais ils sont tous en spectrum, c'est un truc de dingue, ça. Ah, mais c'est que ça, hein. Eux, c'est full spectrum, hein. C'est toujours assez sexy, en fait. Je vous ramène un peu de compagnie vers la base. Ah, là on a du bon là. Oh, toujours si tu aimes Fufu, t'es mort, putain. C'est fou ça. Et sans déconner, c'est quoi tous ces... Et spectrum de tous les côtés. Spectrum, spectrum, spectrum quoi. Ça devrait être interdit pour les bases, les spectrums. Bah, il devait carrément nerf le spectrum, comme ça il n'y aura plus personne. Ah oui, il a pris cher à la base. Il doit péter soon. Ah, je savais qu'il y en a un qui... Dommage, c'est pas moi qui l'ai pété. Je savais qu'il y en a un qui allait sortir du fufu, je sais pas celui qui était avec moi, mais sorry quoi. Ah bah ça y est, il est ressorti aussi. Ah, il lui reste que dalle en plus à l'autre là. Je sais pas où vous êtes les gars, vous êtes à la base. Rocket, réveille-toi. Rocket, Rocket, wake up. Wake up, j'ai besoin de vie, Rocket. Rocket, Rocket. Est-ce que tu pourrais regarder ta map, Rocket? C'est trop dur, arrêtez. Mais attends, pas le truc, c'est en... Je te vois bugger. Ouais. Ouais, le serveur il a du mal, je trouve. Et moi je bug pas? Pour mec, il met 15 ans à ouvrir le magasin quoi. Toi mon pote, je vais pas cracher toi, c'est la première fois que tu vas me casser les couilles. Ah putain, on est attaqué en... Putain, on a attaqué de partout en fait. Il y a plein de temps on n'est pas attaqué. Ah bah je pense que la 3.6 elle se fait attaquer aussi, non? Ouais ouais. Voilà. Bah je pense ouais. Je pense que la 3.6 à mon avis. C'est normal, c'est gros chargé de partout. Putain, ça m'énerve de péter par un petit comme ça. Pourquoi? Je pouvais réparer juste un peu quoi. Oh, c'est fou. Alors même les petits ils osent nous attaquer. Oh mais non, mais pourquoi ils sont toujours... Pourquoi il y en a toujours 40 qui viennent sur moi sans déconner? Oh c'est fou ça. On va pas y arriver là. Là on va pas y arriver. Là je crois que la solution de une machin... Elle est encore vivante la base en 3.6? Voyons voir, je vais jumper dessus, on va voir. On va voir si... Quand je vais arriver ça se trouve elle va crever mais... En 3.7 elle a pété donc 3.6. 3.7 elle a pété? Ouais. Putain, on a moins bien tenu que... Putain, les vrues, ils défendent mieux. Hein. C'est les vrues en même temps. Mais surtout le clan sexy, fichier. Elle a pété celle en 3.6? Non, pas encore. Je peux pas mettre encore. Ah, ça devrait le faire là. Putain, les aptitudes de Solas, c'est un peu cheaté quand même. Hein. Les aptitudes de Solas, c'est pas mal aussi non plus dans le style relou. Attends, j'ai ma balise dans quelque chose. C'est affreux comme c'est toujours moi qu'on lock. C'est chiant. Ouais, mais... C'est très chiant. On me lock toujours moi. Genre j'ai plus de vie, je suis d'accord, mais quand même quoi. On va mettre le Rex en mode kamikaze. Rex en mode kamikaze. Rex en mode Camille, Rex en mode Camille, Rex en mode Camille. Oh, ça fight encore, oh là là. Mais il y a même des mémos qui viennent. Oh là là, c'est affreux. Genre le mec il a zéro pression le MMO là, putain la vache. C'est dingue ça. ça, vas-y. Serveur en carton. Ah ouais, mais là c'est chaud là. Je suis en train de bugger, là j'ai pas mes drones, j'ai même pas mes roquettes, j'ai rien. C'est cool. Il a pété lui. Ah, elle a pété aussi. Putain, ils défendent bien eux. Hein. Ouais, j'avoue. Il a pété quand même. Et voilà, c'est un Tartarus, donc du coup il fuit. Et ouais, comme d'hab. Bah pour que tout le monde l'achète, parce qu'il va être cheaté. Ah, c'est ça. Le pire, c'est qu'il revient, mais putain. Bah là, il y a des EIC, des Vru. Ah ouais, ils se mettent vraiment tous ensemble pour détruire les bases, quoi. Ah, je suis mort par Samus Aran en plus. Merci, Samus. T'as dû perdre de l'honneur. C'est moi que t'as loqué au lieu de loquer l'autre, quoi. Je me suis dit aussi, quand je suis mort, j'ai gagné de l'XP alors que j'ai pété personne. Bah ouais, bah voilà. Bien ouais. Franchement, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est pas grave. Hein. Bon, du coup, voilà pour ce qui est de cette, cette petite tentative de base en 3-7, 3-5 et 3-6, bien compliquée. Ils défendent bien mieux les Vru par rapport au IC, franchement, il faut le dire. Bon, c'est un peu plus compliqué de commenter comme ça quand il y a un peu plus de monde, parce qu'il y a un peu moins d'interaction, on va dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà du coup pour ce qui est de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même fait plaisir. Prenez soin de vous, à demain, ciao ciao.